Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo maquillage, tuto maquillage avec un seul pinceau. Je trouvais l'idée assez sympa puisque je me suis dit, pour celles qui n'ont pas des mille et des cents à dépenser, je me suis dit que voilà, vous montrer qu'avec un seul pinceau il est possible de faire un maquillage. C'est celui que je porte actuellement. C'est d'ailleurs celui que je fais pratiquement tous les jours et tout le temps avec un seul pinceau. Donc voilà, c'est un pinceau comme ceci, assez fluffy. Alors c'est assez important parce que ça permet quand même de mettre de la matière et en même temps d'estomper. Donc voilà, il faut vraiment qu'il soit comme ça, un pinceau estompeur, vraiment. Parce que si vous prenez un pinceau plat ou autre, ça sera pas possible. Parce que voilà, le travail d'un beau maquillage, c'est l'estompage, et si on ne peut pas estomper, c'est foutu. Donc voilà, juste avec un pinceau comme ça, on peut faire ce maquillage, ou même d'autres. Celui-là est assez simple, pas trop chargé. Après, je suis sûre que pour faire des smokies, on peut très bien y arriver aussi. Donc voilà, et j'ai utilisé la palette Sweet Peach de Too Faced, comme toujours. J'utilise qu'elle, ça va faire un an, je crois. Ça va faire un an que je l'ai et je n'utilise qu'elle constamment. La dernière fois, j'ai voulu réutiliser ma Naked 3 et la Smoky. Je les ai utilisées une fois et je suis tout de suite revenue à la Sweet Peach. C'est vraiment une de mes palettes favoris. Je l'adore. Voilà, on peut faire plein de maquillages différents, notamment celui-là. Donc voilà, si ça vous plaît. Je vous ai fait cette vidéo voilà, pour vous prouver qu'on peut très bien se maquiller avec très peu de moyens. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous plaira. Je tenais vite fait, parce que si je le dis pas je vais me faire tuer, à remercier ma petite sœur. Puisque je vous explique, en fait j'ai eu un coup de mou ces derniers temps, baisse de morale, baisse de motivation, d'idées, tout ça. Donc j'ai voulu arrêter ma chaîne YouTube en fait. Enfin, j'y ai pensé, j'hésitais à arrêter ma chaîne YouTube. Et ma petite sœur m'a dit, non, ça va pas, t'as pas intérêt à arrêter. Donc voilà, elle m'a remotivée, m'a donné plein d'idées de vidéos. Voilà, donc du coup, je tenais à te remercier, ma puce, de m'avoir remonté le moral et de m'avoir redonné la motivation à fond pour refaire plein de vidéos. Donc voilà, vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à remercier ma petite sœur, ça lui fera super plaisir. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si c'est le cas ou pas, à me mettre des pouces en l'air, ainsi qu'à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram notamment. N'hésitez pas, parce que je poste énormément là-bas. Sur conseil de ma petite sœur, je pense que je vais poster un peu plus sur mon Snapchat déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Et voilà, j'en ai terminé, donc j'espère vraiment que voilà, ce maquillage vous plaît. Le rouge à lèvres, j'en ai profité pour tester celui que j'ai reçu dans la Glossy Box, le Sleek. Alors je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rose pétant, on va dire. C'est vrai que j'ai été très surprise quand je l'ai mis sur mes lèvres. Après, c'est pas moche. Aujourd'hui, il fait super beau, il fait un temps d'été, donc je suis un peu maquillée comme si j'étais en été. Donc voilà, ça m'a permis de le tester en même temps, je le trouve très crémeux, je viens de l'appliquer, donc forcément je peux pas vous dire la tenue, mais en tout cas il est très facile d'application et très joli et très bien pigmenté. Voilà, j'ai fini de blablater, je vous laisse avec la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye !